Rémi, donc tes premières impressions après quelques prises en main du véhicule? À part le moment où j'ai vu le prix qui était affiché, à part ça, mon impression est top. Préjugés, est-ce qu'ils sont lissés ou t'as encore quelques préjugés à nous donner? J'ai encore quelques préjugés malgré tout ce que tu peux m'amener comme élément, mais... Déjà au niveau conduite pure, on va dire déjà comparé à un véhicule thermique et la conduite d'un VE, déjà qu'est-ce que t'as ressenti dans bien ou en mal, hein, s'il y en a? Alors, des inconvénients. En bien, la boîte automatique, mais ça on l'a aussi par ailleurs. Alors en bien, c'est l'accélération, quoi, c'est génial. C'est incroyable de voir comment on peut s'envoler. D'accord. Après le silence, ça c'est quand même top. Et puis, ce que j'ai pas pu encore expérimenter, c'est les différentes options qui permettent pratiquement de conduire. Les aides à la conduite, ouais. Les aides à la conduite, ça, c'est incroyable. Très bien. Mais j'ose pas y aller encore. Ça, c'est une appréhension que j'ai, c'est un peu technique quand même pour moi. Et donc, pour ce qui est des aides au stationnement, le véhicule dispose là donc des possibilités de rangement en bataille et également de rangement créneau qui est totalement autonome. On a aussi ce qu'on appelle une fonction auto-reverse qui permet au véhicule d'enregistrer les 50 derniers mètres effectués sur chaque trajet et de les restituer donc dans les heures qui suivent jusqu'à une limite de 48 heures en mémoire. Rémi, on a dû consommer effectivement deux fois plus que la moyenne, mais je pense que tu auras une petite surprise en redescendant. C'est pourquoi? Parce que je vais recharger en descendant. Exactement, c'est un peu l'avantage du VE. C'est que tu vas régénérer ta batterie dans les descentes et rattraper ce que tu as perdu en montée. Bon, c'est ça aussi, c'est ce que je vois avec un véhicule électrique, c'est qu'en fait on ne conduit pas du tout de la même façon. On va essayer de voir quand on consomme beaucoup, baisser cette consommation et rouler autrement. Donc ça, c'est assez différent de la conduite avec un véhicule traditionnel. Ouais. Après, il y a cette notion de kilowattheure, il faut bien expliquer. Vous m'avez bien expliqué, donc je comprends un peu mieux. D'accord. Même si tout n'est pas encore complètement simple à visualiser, à imaginer, mais quand même, c'est beaucoup plus clair. Bien sûr. Lorsque je vois la facilité de conduite et le côté très agréable de l'accélération, ben, c'est quand même quelque chose de sympa. Et le fait de ne pas aller faire le plein tout le temps, c'est aussi sympa. Même si j'ai bien compris que ça me coûtait quand même quelque chose, alors que moi, je m'étais dit que ça ne coûtait rien. Ah ben. Les possibilités de recharge, donc vous retrouvez les deux prises, ici pour le courant alternatif et ici pour le courant continu. Donc là on a notre chargeur CCS. CCS, donc je sélectionne ici sur la borne le chargeur, comme c'est déjà. Elle me dit de brancher, donc je branche le véhicule. J'entends un verrou, donc là la borne communique avec le véhicule pour voir les compatibilités en termes de capacité de charge. Et là j'entends la borne se mettre en route. Bien Rémi, bah écoute, tu viens de prendre en main cette BMW iX3 au bout de 120 km. On retourne à la concession Lille après notre petit périple jusqu'à Salazy. Donc quelles sont un petit peu tes impressions de cet essai? Moi j'avais des craintes et j'en ai plus. C'est assez extraordinaire comme confort. Et quand on sait que derrière on a beaucoup moins de frais et qu'on fait des économies, c'est quand même plutôt cool. J'ai passé un très bon moment, on est monté à Hillebourg, donc il y a quand même un peu d'exercice à faire et ça s'est fait de façon très fluide et très simple. J'avais une crainte par rapport à la complexité des systèmes et en fait pas du tout. Il faut suivre tout effet pour que ça se passe tranquillement.